Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au nouveau modèle phare de la gamme légendaire MPC, la MPC-X d'Akai Professional. La X est une MPC autonome conçue pour être la pièce maîtresse du studio d'aujourd'hui. Ce centre de production est totalement équipé pour faire de votre inspiration musicale une réalité. Vous pouvez programmer des motifs rythmiques avec ce MPC Swing classique, modifier et organiser vos samples grâce à l'écran multi-touch de 10,1 pouces, et même enregistrer des voix et des instrus live en tant que piste audio directement sur votre projet MPC. Les pistes audio et de nombreuses nouvelles fonctions vous sont offertes par le logiciel MPC Software 2.0 qui fonctionne nativement en mode autonome. Autrement dit, la MPC-X est plus forte que le rythme. C'est un instrument à part entière. La MPC-X présente 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Un contenu sonore de 10 Go est inclus et préinstallé sous la forme du The Vault 2.0. Il comporte des samples, des kits et des instruments provenant de grosses sociétés de conception, telles que Loopmasters, Capson Pro Audio, Tool Room, MVP Loops, CR2 Records, ainsi que nos propres sons signatures. Des milliers de sons professionnels sont à votre disposition. Et en plus, nous lançons chaque mois de nouveaux packs d'extensions pour MPC couvrant les tout nouveaux styles musicaux émergents créés par les plus grands producteurs. Pesant 5,66 kg, la MPC-X a une conception solide et futuriste, mais basée sur les anciens modèles MPC. Lorsqu'elle est reliée à un ordinateur, elle fait office de contrôleur pour la version de bureau de MPC 2.0. Elle s'avère très utile quand vous voulez le meilleur des deux mondes. Utilisez vos effets et instruments virtuels favoris, tout en profitant de l'ensemble des fonctions du logiciel MPC Software 2.0 et du flux de production MPC. Étudions ces fonctions plus en détail. Tous les paramètres sont facilement accessibles grâce à l'écran couleur multi-touch 10,1 pouces qui est au cœur du flux de production de la MPC-X. La quantité de boutons dédiés est l'une des caractéristiques de conception qui rend la X très agréable à utiliser. L'utilisation des différents menus et l'exécution des actions associées à la création musicale deviennent rapides et intuitives grâce à ces boutons. À droite du panneau avant, vous trouverez les boutons Erase, Undo et Copy. Les boutons au-dessus des pads mènent directement au mode de performance de la MPC. Accédez rapidement aux différents modes en appuyant sur Menu. Sélectionnez Browse pour rechercher votre bibliothèque de samples ou ouvrir des projets sauvegardés précédemment. Appuyez sur le bouton Step Sec pour élaborer des motifs qui seront lus sur la grille temporelle. Sampler permet d'enregistrer l'audio directement sur votre MPC pour une modification, un traitement et un mixage ultérieur dans la séquence. Servez-vous du bouton XYFX pour ajouter et produire différents effets en temps réel en déplaçant vos doigts sur l'écran tactile. Un grand choix d'effets géniaux s'offre à vous, parmi lesquels les filtres Delay, Flanger et Phaser. Pad Perform vous donne la possibilité d'assigner des gammes musicales, des accords ou des progressions au pad pour des performances créatives afin d'inventer de nouvelles mélodies et progressions harmoniques. Appuyez sur le bouton F-Key pour utiliser ces boutons pour sélectionner l'une des 6 options affichées en bas de l'écran. Cette option s'avère utile à ceux qui préfèrent utiliser les boutons physiques au lieu de l'écran tactile pour créer des roulements de tambour et des répétitions de notes par exemple. Évidemment, la MPC ne serait pas complète sans ses pads à la pointe de la technologie. La MPC-X comporte 16 grands pads RVB rétro-éclairés sensibles à la vélocité. Réagissant à votre style de jeu, l'intensité de la lumière des pads varie de clair à sombre en fonction de la force avec laquelle ils sont frappés. La couleur de chaque pad est totalement personnalisable. Tout utilisateur de MPC pourra reconnaître la partie pad banque. Chaque kit ou programme est un groupe de samples assignés au pad. Vous pouvez créer jusqu'à 8 banques de samples de pads ou jusqu'à 128 sons individuels par programme, à l'aide des boutons pad banque en haut à gauche de la machine. Vous pouvez accéder aux banques AAD ou 1A4 en appuyant sur leurs boutons respectifs. Il vous faudra maintenir Shift et appuyer sur les boutons des banques EAH ou 5A8 pour avoir accès à ces dernières. Lorsque le bouton Full Level est enfoncé et allumé, les pads vont déclencher leur sample au niveau de vélocité maximum de 127. Quand le bouton clignote, les pads déclencheront leur sample à un niveau partiel de 64. Servez-vous du bouton 16 Level pour copier temporairement la dernière pression effectuée sur les 16 pads. C'est très utile pour créer des mélodies sur les pads. Ces potentiomètres Q-Link et leur affichage OLED graphique sont disponibles à gauche des pads.
Ils sont sensibles au toucher et servent à ajuster différents paramètres et réglages. Ils fournissent un feedback visuel de n'importe quel paramètre que vous êtes en train de contrôler. Ils sont parfaits pour la conception sonore à la volée ou le réglage de paramètres d'effet quand vous êtes en mode contrôleur. Sélectionnez les fonctions des potentiomètres Q-Link à l'aide des boutons au-dessus. Appuyez sur le bouton Projet pour utiliser les potentiomètres Q-Link pour ajuster des paramètres liés au projet actuellement sélectionné. Sélectionnez le bouton Programme pour régler les paramètres d'un programme à l'aide des potentiomètres Q-Link. Appuyez sur le bouton Pad Param pour que les potentiomètres Q-Link servent à ajuster un paramètre sur les 16 pads. Chaque potentiomètre correspond au pad qui présente le même numéro et la même position dans la configuration en 4x4. Screen Control vous donne la possibilité de régler les paramètres dans le mode actuellement sélectionné, comme indiqué à l'écran. Appuyez sur Shift et Screen Control pour entrer dans le mode Edit. C'est ici que la fonction Learn vous servira à assigner rapidement des paramètres au potentiomètre. L'un des éléments qui font que la MPCX est bien plus qu'une boîte à rythme est sa capacité à enregistrer facilement de l'audio en haute qualité. Dans la partie entrée-sortie du périphérique, commençons par le vue-mètre. Ces bandes lumineuses indiquent graphiquement le niveau de signal audio. Cet indicateur peut servir à afficher des programmes individuels ou peut être verrouillé sur les sorties principales si vous le souhaitez. Appuyez sur Rec Arm pour activer ou désactiver l'enregistrement dans le sampler ou le looper. Read Write enregistre et lit une automation. Appuyez sur Mute pour couper le son de l'élément affiché sous les bandes du vue-mètre. Appuyez sur Solo pour isoler le programme actuellement sélectionné. Servez-vous de gain 1 et gain 2 pour ajuster le gain du signal entrant par les entrées 1 et 2 du panneau arrière ou les entrées instruments 1 et 2 du panneau frontal. Les interrupteurs Rear Front déterminent le panneau par lequel la MPC fera passer l'audio entrant. La X peut même prendre en charge l'utilisation de micros en alimentation fantôme. Le potentiomètre 3-4 Reg Gain permet de régler le gain du signal entrant des entrées 3-4 du panneau arrière. Servez-vous du vue-mètre pour vérifier le niveau d'enregistrement. Tournez le potentiomètre Master pour ajuster le volume des sorties Main, gauche et droite. Servez-vous du potentiomètre Direct Main pour ajuster la balance entre les signaux d'entrée et de sortie de votre casque. C'est très pratique pour contrôler l'équilibre entre les niveaux des signaux quand vous enregistrez. Définissez si le signal de votre casque est mono ou stéréo à l'aide de cet interrupteur. Réglé sur stéréo, le signal du casque sera séparé afin que le signal d'entrée soit transmis à l'oreille gauche et le signal de sortie à l'oreille droite. Réglé sur mono, les signaux d'entrée et de sortie sont mélangés dans un signal unique et transmis aux deux oreilles. Comme vous pouvez le constater, la MPCX offre un grand contrôle sur la manière dont vous voulez que l'audio entrant soit transmis en fonction de la piste actuelle, avant de lancer l'enregistrement. Jetons un œil au panneau frontal, situé en dessous des pads. Voici le port de carte SD. En plus de servir à stocker et à donner accès à des fichiers, une carte SD permet un accès facile à vos projets quand vous passez du mode autonome au mode contrôleur. En mode contrôleur, votre ordinateur lit la X à la manière d'un lecteur de carte SD, facilitant l'ouverture des séquences et de sons à partir d'une piste démarrée initialement en mode autonome. Connectez des pédales foot switch pour contrôler plusieurs fonctions de la MPC, telles que la lecture, l'enregistrement, la répétition de notes et même le déclenchement d'un pad. Instrument 1 et instrument 2 sont des entrées pour guitare, basse et source de niveau instrument. Tournez Mix pour ajuster l'équilibre entre les sorties principales gauche et droite et le signal envoyé par les sorties 3 et 4 quand vous écoutez au casque. C'est très pratique quand vous enregistrez des voix ou des instruments en direct sur la MPC et que vous ne voulez entendre que certaines parties du mix. Et là nous avons les sorties casque, headphone output, prenant en charge le 3,5 et 6,35 mm. Le potentiomètre de volume du casque vient compléter le panneau frontal. Voyons maintenant le panneau arrière. De gauche à droite, nous avons deux entrées micro XLR jack. Pour les entrées 3 et 4, vous pouvez soit utiliser des câbles 635, soit des câbles RCA. Servez-vous des entrées RCA pour connecter des sources à des sorties de niveau ligne ou pour capturer l'audio d'une platine. Réglez l'interrupteur PhonoLine selon l'entrée utilisée, à savoir RCA ou ligne. Si vous envoyez un signal de platine niveau phono au connecteur RCA des entrées 3 et 4 et que vous entendez du bruit ou des ronflements, il se pourrait que votre platine ne soit pas mise à la terre. Si la platine dispose d'un fil de mise à la terre, assurez-vous de le brancher à la borne de terre. Ensuite, voici les 8 sorties. Gauche, droite ou 1 et 2 sont les sorties principales transmettant votre mix principal. Connectez ces sorties à votre système d'amplification.
utilisez les sorties 6-35 pour envoyer un signal à partir des sorties 3-4, 5-6 et 7-8 vers une console de mixage externe pour un traitement séparé. Avec ça, vous pouvez traiter votre son de batterie individuellement si vous le souhaitez. Vous pouvez contrôler un synthé analogique externe à l'aide des 8 ports CV intégrés. Ces ports peuvent être configurés pour envoyer la hauteur de note, la vélocité et le CV gate. Vous avez aussi la possibilité de configurer les ports CV à des Q-Link spécifiques et à la molette de modulation de votre clavier. Automatisez les mouvements des potentiomètres, les notes et les gates et lisez-les en temps réel avec le séquenceur de la MPC. Votre logiciel MPC deviendra alors l'un des meilleurs séquenceurs modulaires disponibles sur le marché. Les périphériques se connectent à la MPC-X à l'aide des entrées 635. Il y a deux entrées et quatre sorties MIDI. Les deux ports USB type A peuvent servir à brancher des périphériques. Ces derniers peuvent inclure des éléments comme une clé USB par exemple pour importer vos samples personnels et sauvegarder des projets, des instruments MIDI alimentés par USB, pouvant être utilisés pour jouer une bibliothèque d'instruments du logiciel The Vault par exemple, et même un clavier QWERTY pour taper et sauvegarder des métadonnées. Ensuite, nous avons un port USB type B qui sert à la connecter à un ordinateur et accéder au mode contrôleur. L'entrée d'alimentation Power Input sert à connecter l'adaptateur secteur inclus. Ce clip de retenue sert à sécuriser le câble de l'adaptateur secteur afin de ne pas le débrancher accidentellement en cours d'utilisation. Le dernier élément et non des moindres est l'interrupteur d'alimentation qui sert à allumer et à éteindre la X. Vous connaissez désormais les fonctionnalités de la MPC-X d'Akai Professional. Il s'agit du produit fini de 30 ans d'évolution de production musicale assemblée dans un chef-d'œuvre autonome. Nous espérons que la X représentera le centre créatif de votre studio pour les années à venir. We'll be right back.